Pour protéger notre spa de nage, on a une couverture dans ce qu'on appelle un hydrocover, c'est-à-dire une couverture qui monte électriquement, parce que les couvertures qu'on avait avant, qui étaient manuelles, étaient trop lourdes à manœuvrer. Donc, bien sûr, c'est un investissement, mais on apprécie beaucoup la facilité d'entretien. Nous, il est couvert, il est sous une... Bon, déjà, il a un couvercle qui se déplie en deux parties, qui le maintient bien du coup au chaud, et pour éviter les impuretés aussi qu'il y a dedans. Et du fait, en plus, nous, on l'a abrité avec une tonnelle qui est équipée de toit en polycarbonate. Et du coup, nous, en plus, ça nous abrite même quand il pleut. Comme ça, on apprécie encore plus, même quand il y a des intempéries, quoi. J'ai prévu, pour protéger le spa de nage, de faire installer un abri bioclimatique qui me permettra, aussi bien par le biais des volets à différents endroits et de la partie supérieure, d'avoir une isolation des éléments climatiques sans avoir pour autant être enfermé.